contre avec Khaled Ayari. Et lui, il a du feu dans les jambes, il a envie de... Ouh, attention, et ça, ça pourrait être rouge. Et ça sera rouge. Ça sera rouge. Et ouais, le carton rouge, on l'a vu en direct. Hein. Ouais. On l'a vu en direct, on appelle le doc. Et ouais, Rémi Boissier qui rentre direct au vestiaire. Allez, Fofana là sur le côté. Oh, attention, le centre. Ouh, là, 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 là. Alors, est-ce la question, c'est est-ce qu'il voulait faire ça? Et ce ballon, il est récupéré très haut par les joueurs cristoliens. On va trouver Gamboa, c'est bien fait. Dans la surface, Gamboa le centre avec Oumar Pouille. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Créteil. Magnifique action. L'ouverture du score. Ah ouais, elle est magnifique cette action. Je vous laisse la décrire, Anderson. Kouekou qui va remettre à Gamboa sûrement. Voilà, c'est fait sur le côté. On a l'impression que Créteil ne veut pas aller marquer ce deuxième but, ne veut pas plier le match. Ils attendent. C'est bien fait, bravo. Il y est le deuxième but. Le deuxième but pour Créteil, explosion de joie, Brighton Labo. Ah, il l'a montré à Chambly la semaine dernière, Gbele, c'est bien frappé. Oh, je crois que ça, ouais, l'arrêt peut-être aidé de son poteau derrière Mathieu Pichon, en tout cas, ça prenait la bonne direction. C'est pas le cas ici, oh attention, il est tout seul. Oh, il est complètement seul et le ballon qui atterrit finalement dans les buts. Et l'ouverture du score. Elle est signée. Alors je crois que c'est Guillaume Dequerre, mais à confirmer. Et Ambroise Beau qui se bat. Oh, la faute derrière. Ouais, Abissa, il va prendre le carton à Abissa parce que là c'est un geste d'humeur qu'on. Ouais. Oh, directement le rouge. Ah oui, quand même. Ça vient un peu sanctionner. Un match qu'il avait plutôt bien géré jusqu'à présent à Abissa en milieu de terrain. Auto-additionnel. Allez, la frappe de... Oh, elle est contrée cette frappe et c'est le but. L'égalisation de Gomez. Sur une frappe, on l'a bien dit, faut toujours tenter. Ah ouais. Gani, le ballon dans les airs pour trouver sur le côté droit Ryan Abid, le centre à l'ouverture du score déjà dans cette rencontre, le but de l'AS Béziers qui vient glacer ici le stade René Fenouillère. Et attention à ce ballon pour Mamadou Ndiaye, côté gauche, le centre d'Ndiaye vers Mayoulou, c'était tiré ce ballon qui est renvoyé par Magnonovert. Une frappe qui est contrée immédiatement, une deuxième chance, une frappe et il faut l'arrêt merveilleux de Paul Relais pour empêcher les Dunkerquois d'ouvrir le score. Dunkerquois là sur place 110, Zakaria Grich. Grich à droite pour Tchaktimité face à lui, Medellina, il va pouvoir frapper, une belle frappe et ce ballon droit qui est sauvé sur la ligne par Luc Mael. Verdi, c'est bien frappé, deuxième poteau. Oh, bonne intervention de Kassem Daouma, mais quel beaucoup franc encore une fois, Montiel, qui n'est pas plus au hors-jeu. Ça va rentrer, ouais, Moubi, il va faire le score. Et la Sana Doucouré, centre fort de Montiel devant le but, la Sana Doucouré qui vient ouvrir le score ici. Ouais. Et Denis, pardon, le centre deuxième poteau pour Ibouba. Ibouba qui vient égaliser. Magnifique. Sur une merveille de centre. Très très compliqué à redresser de le centre de Kassim. Terterau avec son pied droit dans la surface de réparation vers Firmin. Finalement, c'est Satli qui a eu le dernier mot. Oh, la frappe et la barre. Hop, 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 c'est la grosse occasion, la voici. Attention, est-ce que le Red Star va réussir à se dégager? C'est chose faite désormais. Brèche dans ce mur jaune. C'est parti pour Abdoulaye Sané. Ça a été retouché par le mur jaune, justement, et ça va offrir. Oh, la main. Pénalty. Et pénalty. Pénalty contre l'entente Saint-Loin-Saint-Gratien. Le ballon qui aurait été retouché dans la main, vraisemblablement, c'est ce qu'indique monsieur le paysan Sekou Baradji qui court pour aller récupérer le ballon. Mickaël Salamone, justement, face à Abdoulaye Sané. Un duel important cette saison 2017-2018. Et cet enfant les filets, il avait sauté du bon côté. Le gardien de l'entente Saint-Loin-Saint-Gratien. Mais c'est bien l'attaquant Odonien qui va libérer tout un Stade Bauer. Le Red Star est devant. Dans la profondeur, finalement, on va revenir. La petite talonnade de Diallo pour Sané. Ça s'amuse. La frappe de loin. Oh, le deuxième but. Oh, le deuxième but pour Abdoulaye Sané. Il est on fire ce soir dans ce Stade Bauer. Le doublé alors que les Odoniens étaient en difficulté il y a encore quelques minutes. Eh oui, parce que la transversale, faut pas l'utiliser tout le temps. Oh, Sané, il est passé devant. Et le voilà, le troisième but. Le triplé, hat-trick, coupe du chapeau pour monsieur Abdoulaye Sané. Et gros coup de massue sur la tête, bien sûr, de l'entente Saint-Loin-Saint-Gratien.
Franck. C'est ça. Allez, Kevin Martin par-dessus. Il n'y a pas d'enjeu de Mupenza. Il n'y a pas d'enjeu de Mupenza. Attention, premier but. Eh oui, eh oui, eh oui. Quel but. Quel but, Thierry. Ah, quel but. Et je peux vous dire, on a Bernard Laporte-Offray à côté de nous. Il est heureux comme tout. Et c'est reparti. J'ai bâclé. J'ai bâclé côté gauche. Allez. On va dessus mettre un Mupenza sur lui. Attention, on se met le second. Il va frapper. Oh, tu l'es bon. Le deuxième. Le deuxième but. Joue avec Krejci. Non. On va jouer de l'autre côté là-bas avec Riva, c'est bien joué, Rana sur votre réparation, à 8 à 5 heures. Oh, bien joué. Oh, que c'est bien joué. Et le but. Et le but. Et voilà, le troisième but. Le troisième là. Le troisième but. Allez, Camille, les Concarnois qui sont embêtés avec Gébaclé qui frappe. Oh, oui. Et le but. Et le but. Le but. Quatrième but. Quatrième but. De Dieudonné, Gébaclé. Domaine par-dessus pour Mupenza. Il n'y a pas d'hors-jeu. Le voilà. Le voilà. Non, non. Et non. Et non. Il va y avoir du boulot. Encore plus. Attention, le but. Et voilà. Et le but de Camille Soko. Voilà, les Palois un petit peu trop attentistes. On se regarde un peu et... Et voilà, on l'espère. The Real. Ezik qui est empressé, qui va perdre ce ballon face à Koulibaly. Et Koulibaly finalement va commettre une faute lui aussi. Et ça va être le deuxième jaune de Koulibaly, exclu à la 21e minute par Fawzi Ben Chaban. Et c'est même rouge direct. C'est même rouge direct. Déclencher une grosse frappe comme Jesse Bennett sur coup de pied arrêté, capable de mettre un bon ballon dans la surface de réparation. Eric Van de la Bulle pour ouverture du score. Même Sotoka qui est éveillé au second poteau. Grenoble à 10. Ouvre le score en ce derby et prend la tête du championnat. Deuxième tir cadré simplement des Grenoblois cet après-midi. Forcément hein, par le scénario de cette seconde période et de ce match hein, est un tir au plus discret alors que Tuta est beaucoup plus incisif. Tuta dans la surface de réparation déséquilibrée. Pénalty obtenu par le Duchère. La faute commise par Eric Van de la Bille sur Cédric Tuta à la 74e minute et le carton jaune sorti contre Eric Van de la Bille. Il sait qu'il a commis la faute qu'il ne fallait absolument pas commettre par Cédric Tuta. La réponse est oui, égalisation de Lyon Duchère, 75e minute, tout est à refaire pour Grenoble. Et l'égalisation est plutôt logique de Cédric Tuta qui inscrit là son troisième but avec Lyon Duchère cette saison. Ouais, l'opportunité maintenant pour Bekeshi dans la surface de réparation, l'arrivée au bleu. Oh, le but contre son corner, Eric Van de la Bille. Le match cauchemardesque pour Eric Van de la Bille, coupable de la faute qui a amené le pénalty de Tuta. Et cette fois-ci, c'est lui qui va tromper son propre gardien. Stupéfaction totale au stade des Alpes. Ce ballon face à Céline Moisini, Bekeshi. Grenoble est passé tout près de la tête du championnat. Mais c'est bien Mokenem et ses hommes qui vont faire le gros coup dans cette journée. En tout cas sur le bas de tableau.